Ça, c'est un lancer exceptionnel. C'est parti! Oh! Ça mérite le filet. Ça mérite le filet. File, une petite bouche. C'est environ une livre. Commence bien le matin au Maxente. Reparti à l'eau. Je remets un Senko. On est sur un beau spot. On est sur un beau spot. Poisson. Non, faut pas dans les branches. Est-ce qu'il y a une grande bouche? Petit format. Format Senko. J'ai encore le worm. Parfait. Putain, ça m'a avancé un peu. Hein? Et voilà. Je savais que ça allait arriver. Grande bouche. Hey, je l'ai pris dans deux pieds d'eau. Des branches. Oh my god. Oh non. Ok, je t'arrête de me reculer dans les branches. Ma canne est poignée. Je l'ai pris avec le Power Worm Mauve. Ça fait longtemps que je flippe là. Avec un tungsten weight. Un corps, je pense. Un corps d'once. Beau fish. Mais là, moi, j'en ai une bonne. Là. En parlant de ça. Ouais. Ben, ça, c'est lui qui est plus gros de la journée pour moi à date. Je vais essayer de le diriger de l'autre côté. Ouais. Ça commence à grossir peu à peu. Peu à peu, mes amis. Nice! Je vais changer de leurre. J'ai mis le Chiggerbug. Montage texan. Et voilà. Comme ça, on le passe. Puis par la suite, on vient juste le repiquer vers le haut, comme ça. Bon, là, il est mal mis. C'est vraiment important de le piquer droit. C'est un peu mieux. On serre le bobber stopper pour garder notre plomb en place. Puis bingo, prêt à pêcher. J'ai vu un échican en dessous de l'arbre. On va voir s'il va mordre les crevisses. Oh, il est là, il est là, il est là. Il est gros, lui. Allez! Hey. Oh, le net. Mauvais côté. Sur le Chiggerbug. Un autre beau. Je pense que c'est mon plus gros à date. Oh, Phil, il est immense. Ouais, il est... Oh! 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 Ok, on va être doux avec lui. Oh! Oh! On va faire attention.
Yo, il est tellement huge! Wow, je l'ai piqué direct au fond de la bouche. Hey my goodies! Gros poisson! Oh, ça, c'est un beau achigan à grande bouche. Ça fait depuis 8 heures à matin qu'on pêche le lac. Puis la pêche est bonne, on prend plein d'achigan. Mais là, je viens de prendre un gros monstre. Beau bass. Je l'ai pris au 5 Max Cent. Puis honnêtement, là, ça, c'est un de mes plus gros achigans. Je fais une photo avec, je le remets vite à l'eau. Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui. Pour bien conclure la vidéo, j'ai avec moi les produits qui m'ont permis de capturer des beaux bass tout au long de la journée. Je dis dans la vidéo que j'ai eu une bonne journée de pêche. C'était plus que ça, là. Ça a été phénoménal, incroyable. J'ai pris en haut de 50 poissons avec mon collègue Félix. Là. On peut pas dire qu'on n'a pas eu une bonne journée. Là. Ça a été vraiment hot. Puis, on va parler des produits dès maintenant. Pour commencer, le 5 que j'ai lancé en début de journée, c'était le General Power Bait Max Scent. Couleur Green Pumpkin Party, super bonne couleur, très réaliste, avec le montage Wacky, hameçon VMC Wacky, ça a bien fonctionné. On lance ça proche des branches, des arbres morts, végétation dense, ça fonctionne bien, puis je vous le conseille à 100 000 $ si vous voulez prendre des beaux basses, c'est avec ces produits-là. Sinon, le Chiggerbug de Powerbait, un écrevisse souple, couleur saphir black, c'est nouveau, puis ça a une belle silhouette, beaucoup de vibration dans l'eau. Je l'ai mis avec le montage Texas, un plomb, je lance ça, poisson. Garantie, pratiquement, c'était vraiment le fun. Et puis, c'est une nouveauté, puis je pense que je vais le pêcher beaucoup. Un produit que j'adore aussi, un classique pour moi, c'est le Power Worm de Powerbait. Super bon leurre, avec une queue toute twistée, ça fait beaucoup de vibrations. Puis le poisson, là, il est super intéressé par un leurre comme celui-là. Montage Texan ou tête shaky head, c'est à essayer un peu partout sur les plans d'eau du Québec. Puis, si vous voulez vous procurer des produits comme ceux-là, allez voir le site plus bas, Écoton de l'Amisport, boutique très spécialisée et professionnel pour le stock à achigan, brochet doré. Allez voir ça, je vous le conseille. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, un petit j'aime tout le temps ça. Moi, je me prépare, j'ai une autre pêche à faire dans les prochains jours. Je pense que ça va être cool et ça risque d'être l'achigan encore une fois. Alors, on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raven vs Bass. À la prochaine tout le monde. Oh!